الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما هي عادتنا قبيل خطبة الجمعة نتدارس وإياكم إما آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يعني دائما مع تفسير. شفنا خطرة الفايتة الحديث وهذا الخطرة الآية مع تفسير بالمقتور، تفسير الإمام القرطبي وتفسير الإمام سيدي بن عجيبة الحسني في بحره المديد، بحر المديد في تفسير القرآن المجيد. Donc je disais, on avait dit avant le prêche du vendredi chaque fois, comme d'habitude, et c'est le dernier avant le ramadan, parce que pendant le ramadan, ça va être fiqh siyam, jurisprudence du jeûne. On avait dit un vendredi hadith, un vendredi verset du Coran. Et le verset du Coran aujourd'hui qu'on va voir, c'est toujours selon l'exégèse, c'est-à-dire l'explication du Coran par le Coran et l'explication du Coran par la Sunna, avec l'exégèse de l'imam al-Qurtubi, surnommé Amir al-Mumini fi tafsir, le prince des croyants fi tafsir. On a traduit une partie de son livre Ahkam al-Qur'an, le livre on l'a appelé Les Perles du Coran, aux éditions Selsabil. Et aussi, on a pensé pertinent d'ajouter Al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Majid de l'imam ibn Ajiba, qui a en fait enrichi le tafsir al-Ma'thur avec l'ishara, avec les sagesses et les secrets de chaque verset. Idha al-aya min surati Fatir, aya al-ashira, qawl Allah tabarak wa ta'ala, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Ilayhi yas'adu الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور مكر أولئك هو يبور. الآية من سورة فاطر الآية العاشرة. Donc سورة 35 verset 10 c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. سورة 35 فاطر verset 10 الله nous dit. Traduction, comme j'ai dit, avec soit celle de Abdallah Penaud, soit celle de Jacques Berck, que je préfère, qui a été revue par Al-Azhar, soit celle de Mohamed Hamidullah, qui est pas mal aussi. Donc, que celui qui convoite la puissance sache que c'est à Allah qu'appartient la puissance tout entière. C'est auprès de lui que s'élève la bonne parole, entre guillemets, qui sert de tremplin aux œuvres pies, aux œuvres, aux bonnes œuvres. Quant à ceux qui ourdissent des œuvres perverses, ils sont voués à un terrible châtiment et leurs artifices sont voués à l'échec. Voilà, nous avons dit que l'aïa, le karima, fiha mil ma'ani l'idam, ma huwa tatimma, لما رأينا في الحصة الماضية من عرض الأعمال ورفع الأعمال يوم الاثنين والخميس باش نزيدوا حيت كانت أسئلة على الحديث اللي فات فقررنا أننا نكملوا الفائدة ونتمموا الفائدة بهذه الآية الكريمة. دونك تو دابور جي شوازي دابوردي افيك فو سو فيرسي كورانيك باسكو لا سيمين ديرنيير جافي بوكو دو كيستيون سور سيت نوسيون d'élévation de l'acte. Ce qu'on avait dit lundi et jeudi, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient là la semaine dernière, hein? Donc il y a eu cette exposition de l'acte, élévation de l'acte aussi, et on a parlé de des effluves, de cette miséricorde divine, de ce pardon divin qui est étendu. Sauf
celui qui associe à Allah tabarak wa ta'ala quelque chose, mushrik, ou mushahin, celui qui a une haine vis-à-vis de son prochain, haine non justifiée légalement, bien sûr. Donc, il y a eu des questions sur oui, mais qu'est-ce que c'est que cette élévation de l'acte? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moments? On avait parlé des moments bénis et que ça, c'est, parfois c'est des moments, parfois c'est des temps ou des endroits, parfois c'est toi-même, ton état. Donc, c'est dans cette suite-là que ce verset coranique nous le présentons, nous le détaillons aujourd'hui. من كان يريد العزة أي الشرف والمنعة على الدوام الشرف والمنعة على الدوام la puissance ici c'est pas n'importe quelle puissance celui qui convoite qui veut qui cherche la puissance Allah s'est appelé Al-Aziz le puissant le nom divin le puissant donc si tu veux chercher quelque chose cherche-la à sa source mais دللش الناس المخلوقات بحالك للمول العزة العزيز هذا هو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وفي آية أخرى فلله العزة ولرسوله المؤمنين هذه نشرحها ندخلها إن شاء الله في الشرح donc inutile de chercher la puissance en dehors du tout puissant qui est Allah تبارك وتعالى parce que c'est lui la source et si tu te trompes de source tu ne vas rien avoir الدوام في الدنيا والآخرة دون سبامون دون بطر فليطلبها من عنده بالتقوى والعلم والعمل والعمل الصالح كالزهد في الدنيا وتبتلي إلى الله أي في العزة كلها مختصة بالله عز الدنيا وعز الآخرة وكان الكفار يتعززون بالأصنام كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزة سورة مريم والمنافقون كانوا يتعززون بالمشركين كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا من سورة النساء فبين أن العزة إنما هي لله بقوله فإن العزة لله جميعا فليطلبها من أرادها من عنده فوضع فلله العزة موضعه استغناء به عنه لدلالته من الشيء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكه ونظيره قوله من أراد النصيحة فهي عند الأبرار أي فليطلبها من عنده وفي الحديث إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطيع العزيز ثم ذكر ما يطلب به العز وسنرى donc je disais tout d'abord ici dans الشرح dans l'exégèse un point très important le Sharih nous dit que à l'époque les mouchriquis, les polythéistes cherchaient la puissance chez leurs idoles de pierre et les hypocrites cherchaient la puissance chez les polythéistes et vice versa chacun dépendait d'un autre, croyant que l'autre pourrait effectivement lui donner quelque chose, lui apporter quelque chose. Et Allah leur répond par ce verset-là, qui n'est pas en contradiction avec l'autre verset où on nous dit « La puissance est à Allah, à son prophète et aux croyants. » Dans le sens de l'alliance, dans le sens de l'amour et dans le sens du soutien. Très bien. ثم ذكر ما يطلب به العز وهو العمل المقبول بقوله إليه يصعد الكلم الطيب أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما يلحقها من الأذكار والدعاء والقراءة وعنه صلى الله عليه وسلم هو سبحانه أو هو هذا الكلم الطيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن خرجه الحاكم في مستدركه وبحقي وبهقي في الأسماء والصفات tout d'abord on nous dit dans ce verset c'est à Allah que s'élève la belle parole كلمة الطيب la belle parole qu'est-ce que c'est que la belle parole
plusieurs explications. Première explication, c'est kalima tawhid. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité si ce n'est Allah. La ilaha illallah. Khiru ma qultu annahu nabiy min qabli. La ilaha illallah. Clé du paradis, la ilaha illallah. Hism. Le rempart, la ilaha illallah. Le médicament, la thérapie du cœur, la ilaha illallah. L'apaisement des cœurs, la ilaha illallah. L'invocation dont on ne doit jamais se lasser, la ilaha illallah. C'est que plus tu l'as dit, plus tu ressens de l'amour envers Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Plus tu l'as dit, plus il y a la proximité vis-à-vis d'Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mais le mata'ali hada khala al-jannah. Celui qui meurt en disant la ilaha illallah, il rentre au paradis. Si c'est sa dernière parole, hop, le paradis. La ilaha illallah, merci la ilaha illallah, wa iyyakum. Amen. Très important. La ilaha illallah. Tikrar la ilaha illallah, wahad khir adhim. Ghafala 'ala al-muslimun al-yawm, lil-asaf. Lil-asaf. C'est un secret, la ilaha illallah. Il y a plein de secrets dans la ilaha illallah. Les gens d'aujourd'hui négligent la ilaha illallah. Alors que la ilaha illallah est la clé du bonheur. Dans ce monde et dans l'autre. Celui qui veut le bonheur dans ce monde, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Celui qui veut le bonheur dans l'autre monde, la ilaha illallah. Khiru ma qultu annahu nabiy min qabli, la ilaha illallah. La meilleure parole que j'ai jamais dite, moi et les prophètes avant moi, la ilaha illallah. Je suis kibir. Ma chayakh dit même qu'il y a un petit peu de l'amour pour moi. Je suis kibir, c'est ça, c'est ça. Mais les gens, on les radis, ils donc. Mais c'est celui qui va franchir le pas et faire la ilaha illallah qui va goûter les sciences gustatives. Induite de la ilaha illallah. C'est une science. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Allah lui a dit, sache que c'est une science, la ilaha illallah. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ علم, علم قائم بذاته, علم لا إله إلا الله. Une science gustative, spirituelle, intérieure, qui a un effet immédiat sur le cœur par sa paix, son apaisement, et sur ta vie en général par les bénédictions qui rejaillissent autour de toi juste par la ilaha illallah. Il occupe sa langue par la ilaha jusqu'à ce qu'il s'introduise la ilaha au cœur. Et ça devient un digre, une invocation du cœur. Ça devient une empreinte qui ne disparaît jamais. Et comme ça, tu termines avec la ilaha illallah. Et tu rentres au paradis, inshallah. Auprès des prophètes, des martyrs, et des vertus. Et il dit les autres doua aussi qui tournent autour de la ilaha illallah, comme tisbih, doua, les supplications à Allah subhanahu wa ta'ala en général, alhamd, le fait de louer Allah, mais non pas seulement avec la langue. Alhamdulillah, c'est pas juste avec la langue, c'est avec le cœur aussi. Être reconnaissant, la gratitude vis-à-vis d'Allah pour ses bienfaits innombrables, apparents et cachés. Et qira'at al-Qur'an, évidemment. Le Coran, c'est le meilleur des dhikrs. عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا أَمَرَ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ سَلَامٌ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ شنو وقع؟ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اسمع اللي بغى العزة Et ce qu'on ouvre le Coran, celui qui veut la puissance, la protection, il est là, dans l'invocation. Et notamment le Coran. Dès que tu lis le Coran, il y a une barrière, une protection, un bouclier de lumière autour de toi. J'a'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Hijaban mastura. Lisez, surat al-Isra. On a déjà parlé de surat al-Isra. Très bien. C'est aussi le meilleur cadeau que tu peux offrir à tes défunts. Les gens veulent offrir des cadeaux d'or et d'argent. Ça, c'est le meilleur cadeau. Que tu inculques à tes enfants, que tu transmets à tes enfants, et que tu offres à tes parents défunts. Tassallahum. Le Coran, tassallahum, l'aïna, 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 l'aïna,
واحد هنا فهد مجيد جا قال لي يا فلان انا الوليد ديالي مات وكنت بغيه بزاف وكذا وكنت بغيت ندير ليه شي حاجه دير ليه شي حاجه اللي غادي تنفعو. قلت له راك دعي معاه. قال لي واه ندعي معاه ولد صالح يدعو له مزيان راه كندعي له مزيان. قلت له راك تقرا له شي القران ولا حاجه؟ قال لي لا. قالوا لي حرام. قالوا لي بدعه. شو قالك بدعه؟ حرموك حرموك. هاد الناس راه كتعرفوا هاد الرواي بيضاء رؤوس الجهال. قالوا له راه هذاك الشيء بدعه حرام كذا ما تقراش القران على الناس. قلت له سير شوف حالو. جا الوليد ديالو في المنام قال له ولدي راك هاجرني ما تسنى منك كذا كذا. جا عاود عندي الجمعه الماجيه قال لي انا شنو ندير الوليد؟ قلت له انا قلت لك سوا تسمع لي سوا تسمع لغيري ما يمكنش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما يمكنش. انا قلت لك قرا على باب القران هدي لي القران. قال لي صافي غنهدي لي القران. بقى يقرا لي القران في العشيه ملي يدخل من الخدمه يقرا على الوليد ديالو شويه القران يقول هذا يروحي ابي فلان بنو فلان. ويجي الوليد ديالو في المنام حكى لي في الجمعه قال لي لقيت الوليد ديالي بواحد الحله منور وفرحان. قال لي وهذا هو الرضا وليدي اليوم راني نتمتع راك ترسل لي وداك الشيء اللي ترسل لي راني نتمتع. شتي هاد الناس من حارمينكم؟ شوف الجهل قبح الله وجهل والتنطع بدعة 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 مالو الشيطان. اتقوا الله عباد الله اتقوا الله في الألسنة ديالنا. جو ديزي ان فخير يفني فوار يمدي مون بير كو جيم بوكو إلي مور إلي بارتي شي الله تبارك وتعالى كيسكو جو في بور لوي. Je lui dis, mais tu lis du Coran, tu fais sadaqa et tu offres tout ça pour t'en faire. Il me dit, non, on m'a dit que c'est bid'a, c'est dalala, c'est un égarement, c'est interdit. Je lui dis, j'ai rien dit. Dans ce cas, pourquoi tu viens me poser la question hein? Si on t'a déjà répondu, pourquoi tu viens me. Soit tu viens me poser la question parce que tu attends une réponse, soit tu. Voilà, tu fais ce que tu veux. Il est safe, c'est magique. Tu fais ce que bon te semble. Tu viens pas, voilà, tu ne vas pas m'embêter, tu viens. Il est parti. Et il a vu son papa dans le rêve. Son papa lui dit dans le rêve, vous savez, les esprits errent dans les rêves. Allah mitofel fusahina mutiaoli simtavut, fi manamia, fi manamia. Et son papa dans le rêve, il lui dit, mon fils, tu m'as abandonné. C'est pas bien. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as abandonné. Tu es dans un état. Le fils, il s'est réveillé en pleurs. Il est revenu me voir le vendredi suivant. Il me dit, cher, voilà, qu'est-ce que je fais pour mon père? Parce que je l'ai encore vu en rêve et il m'a dit ceci, cela. Il dit, ben, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Lis pour lui le Coran, offre-lui un peu de Coran et tu verras. Parce que c'est, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est authentique ce que je suis en train de vous dire. C'est pas, on ne l'a pas inventé. Et donc il m'écoute, enfin, enfin. Et il lit le Coran chaque soir quand il revient du travail, il lit un peu de Coran, il dit ça, j'offre cette baraka, ces mérites pour mon papa décédé. Il s'est passé quelques jours et il voit son papa dans le rêve, lumineux, radieux, heureux. Il lui dit, ah mon fils, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'élève en degré, tu m'as rendu service. Tu m'as offert le plus beau cadeau qui puisse exister. Je le ressens dans le barzakh, dans l'islam, là où je suis. Et il est venu me raconter ce que je viens de vous raconter. Sanad al-muttasil ila sahibiha. Mais je ne fais un mot. Donc, voilà. Donc, effectivement, l'amal al-salihu yarfa'u. L'amal al-salihu yarfa'u. Ça vaut nisba lik ou lak nisba l'akhir. وكان القياس الكلمة الطيبة ولكن كل جمع ليس بينه وبين هذا كل كلمة الخير راها كلمة طيبة. Toute parole bonne, douce, réconfortante fait partie de ce كلمة الطيبة de cette belle parole qui est élevée, valorisée. Alors là, بغينا نفسروا الصعود لأن كاين اللي كي Parmi les questions que j'ai reçues, c'est quoi les actes élevés? C'est quoi élever les actes?
Ils n'ont pas compris ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il sait déjà tout ce qu'on fait. Donc pourquoi on dit les actes sont élevés tel jour ou tel, pourquoi? Si Allah connaît tout. Allah n'a pas besoin de l'ange pour savoir qu'un tel a fait quoi que ce soit, on est d'accord. Mais ici, les anges sont des missionnaires, c'est Allah qui a décidé que ça se passe de cette façon-là. C'est pour rendre aussi cette science manifeste, le témoignage, le hujja, pour que ces anges soient témoins aussi. Le kitab, le livre qui est en train de s'écrire avec tes hasanats ou tes siyas, avec tes bonnes actes ou tes mauvais actes, c'est aussi pour rendre cette science manifeste, pour le témoignage devant Allah. Wadi al-kitab. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا مَا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Tout ce que tu as fait, il est écrit. Ah, il y a des anges qui écrivent, très bien. Ça, c'est pour témoigner aussi. Mais Allah sait déjà. Il n'a besoin de personne. Ghani. Parmi ces noms, Ghani. Il n'a besoin de personne. Il connaît tout. Deux, Su'ud, ici, les exégètes sont expliqués par Al-Qaboul ou Al-Rida. L'élévation, c'est l'agrément. Allah agrée cet acte. C'est pour ça qu'il est élevé. Kalim al-Tayyib. Pourquoi il n'a pas dit Kalim al-Khabith? Pourquoi il n'a pas dit la mauvaise parole? Il l'élève. Non, il a dit Kalim al-Amal al-Salih yaffa'u. L'amal il est yisadu. الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللي هي سعاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هنا سكلمنا على الكلم الطيب لا بون بارول لا بيل بارول اللي لاف اللي هي سعاد il remonte vers lui. C'est quoi remonter ici? Surout, les exégètes disent que ça veut dire القبول والرضا وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والسرور وكل ما وصف بالقبول وصف بالرفعة والسرور. Tout ce qui est désigné, qualifié par Su'ud, l'élévation, il est qualifié d'agrément et d'acceptation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou le kalim al-tayyib, il est yas'ad al-kalim al-tayyib. Ou l'amal al-salih yarfa'u. L'amal al-salih, qui est l'ibadat al-khalisa. Yarfa'uhu, Allah tabaraka wa ta'ala, yakbaluhu. Hadat fsir. يقبلوا أو الكلم الطيب فالرافع على هذا الكلم الطيب والمرفوع العمل الصالح أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. Une autre explication, c'est que les bonnes actes, l'acte qui est pur pour Allah, il est élevé grâce à la bonne parole, conséquence de ces bons actes. On l'a dit toujours, le résultat, tamar. Ton comportement soit bon, ta parole soit belle, parce que c'est la manifestation extérieure de ton intention intérieure. L'acte, Salah par exemple, Siyam, on va le voir dans le prêche du vendredi pour Siyam par exemple, parmi les indicateurs de son agrément, c'est que ses fruits sont le bon comportement. Si tu as un bon comportement avec les créatures, c'est un indicateur majeur que cet acte-là il a été agréé. Il a été élevé. Idem, ou l'amal salih yarfa'uhu al-kalim al-tayyib. L'acte de bien, il est élevé par la belle parole. L'in l'amal mutawqif ala al-tawhid. Parce que l'amal, l'acte, il dépend du kalim al-tawhid. On l'a dit tout à l'heure parmi les explications de kalim al-tayyib, kalim al-tawhid, la ilaha illallah. Pour pouvoir être agréé, il faut d'abord reconnaître Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, oui, mais les gens qui font le bien. Mais s'il nie son créateur, quel bien il va faire? Comprenez? Tu as kfati moulana, moulana li atak le sel'u al-basar, al-fu'ad, ou souwaka, ou stafa qui l'a khili, kfati bi. Ou j'me kassar li l'amal salih. L'amal salih suhidik, ou l'al tuhid. Asmuhu tuhid. Il faut d'abord se tawhid pour que l'acte du bien soit, hein, soit agréé, soit accepté. Comme condition. Comme condition. Très important.
لأن العمل متوقف على التوحيد مأخوذ من الكلم الطيب لا إله إلا الله، وفيه إشارة أن العمل يتوقف على الرفع والكلم الطيب يصعد بنفسه. Un indicateur aussi, une subtilité dans ce, dans cette, dans ce verset, l'amal, l'acte, c'est pas n'importe quel acte qui est accepté. C'est l'acte qui est élevé. C'est Allah qui décide. Allah agrée des purs. Très bien. Mais le kalim al-tayyib, sa'adu binfsi. Mais la belle parole, elle remonte toute seule. Elle n'a pas besoin de conditions, de filtres. Kalim al-tayyib, il y a le faire. يصعد بنفسه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه للهاء. فيه ترجيح الذكر على سائر العمل. قال الشارح فيه ترجيح الذكر على سائر العمل وهو كقول تعالى ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. Il dit c'est aussi un indicateur que la belle parole لا إله إلا الله le ذكر la vocation en général est le meilleur des actes. Le meilleur des actes. En témoigne aussi l'autre verset qu'on a déjà explicité. Et l'invocation d'Allah est plus grande. Ou la dhikr Allah est akbar. Dans une des explications. Wa qila bil'aks. Ay, ou l'amal salih yarfa'u l'kalim al-tayyib. Fa'idha lim yakun amal salih fa'li yuqbalu minhu l'kalim al-tayyib. Wa l'amal salih yarfa'u l'amil wa yushanifu. Ay, man arada l'izzata. أراد العزة والرفعة في العمل العمل الصالح لأنه هو الذي يرفع العبد. Autre explication aussi, l'amal salih, le bon acte, il élève la belle parole. Car s'il n'y a pas les bons actes, كلم طيب, la belle parole ne suffira pas, ne sera pas acceptée. La belle parole. Donc il y a une interdépendance. On a parlé du fruit de l'action, c'est justement le bon comportement, la belle parole. Et la belle parole est un indicateur aussi de l'agrément, quand la belle parole est remontée, acceptée, agréée. Et aussi que la condition pour que ton acte de bien soit accepté, c'est tawhid kalim al-tayyib. Il y a plusieurs versions dans l'explication qui sont toutes correctes. Et on a donc, parmi les éléments importants à noter dans ce hadith, c'est la primauté, l'importance capitale. كلمة طيبة لا إله إلا الله. إيه enfin il dit والعمل الصالح يرفع العامل ويشرفه. أي من أراد العزة والرفعة فليعمل العمل الصالح. إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الإخلاص وفي العمل الصالح. الإخلاص لا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح صلي. العمل باش يكون مقبول خصو يكون موافق للسنة واحد. وجوج خصو يكون خالصا لله pour qu'un acte soit agréé les savants ont dit il doit être évidemment conforme à la sunna il ne doit pas être en désaccord avec la loi divine et de deux pur pour Allah on doit bien choisir le destinataire on ne doit pas se tromper du destinataire et comme résultat final nous dit le shari' tu atteins la puissance l'élévation l'honneur par tes actes. C'est ça qui fait la différence entre eux. Inna karamakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est ça qui fait la distinction entre les gens, c'est l'amal, le qulub, les actes et les cœurs. Très important. Et pour finir, dhakara sabab ad-dhulli fi ad-darayn. Dhul. Alladhina yamkurun si'ati. Si'at sifatu makr. La yata'adda bi nafsihi. المراد مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في دار ندوة كما قال تعالى إذ يمكر بك وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية من سورة الإنفال لهم عذاب شديد في الآخرة ومكر أولئك هو يبور يفسد ويبطل والله خير الماكرين. وكي طبيعة الحال عز الظاهر وعز الباطن والناس كيقلبوا على عز الظاهر كيقلبوا على عز الدنيا قليل كيقلب على عز الآخرة. Et les gens, bien sûr, sont dans la course pour le pouvoir, pour la puissance, pour ce bon monde. Ils se trompent de destination, ils se trompent de cible, parce que ça, c'est éphémère. Et ça, c'est au contraire, c'est l'impuissance, c'est l'humiliation. Alors que les gens intelligents,
cherche pas le pouvoir sur terre. Cherche l'agrément d'Allah. C'est ça l'is, c'est ça la puissance. L'agrément d'Allah. C'est ça qui dure. La vie éphémère ne dure pas. Ceux qui courent derrière un mirage, derrière l'illusion, ils finissent par découvrir qu'ils étaient dupés. C'est pour ça que nos savants disent la plus grosse calamité, c'est l'amour du pouvoir. Ghazali dit c'est la dernière calamité, la dernière maladie du cœur qui en sort. Après l'éducation spirituelle, le bon édifice. والعمل الصالح يرفع في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفع إليه الله تبارك وتعالى عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. Toujours dans la réponse à cette question de رفع, de l'élévation de l'acte, il y a déjà cette élévation chaque jour. Selon le hadith authentique qui est dans les deux authentiques Bukhari et Muslim, Allah élève les actions de la nuit avant le jour et les actions du jour avant de la nuit. قال شريح فيحتمل أن يعرض عليه تعالى أعمال العباد كل يوم. Donc, ce qu'on comprend dans le hadith qui explicite le Coran aussi, sachez-le, le sunnah tufsil kitab Allah ou tufsil kitab Allah, c'est que chaque jour il y a cette élévation aussi. D'accord. ثم تعرض أعمال الجمعة يوم الاثنين والخميس. Et puis les actions du vendredi, on a vu les bénédictions du vendredi. Ils sont exposés, élevés, le lundi et le jeudi. ثم تعرض أعمال الجمعة في يوم الاثنين والخميس. ثم أعمال السنة في شعبان. Puis les actions de l'année, شعبان, au mois de شعبان, que nous sommes en train de finir là. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit que les actions des êtres humains s'élèvent au mois de شعبان et qu'il aimait jeûner le plus grand nombre de jours au mois de شعبان. Car il aimait que ses actions soient élevées alors qu'il jeûne. Très bien. Et dans chaque exposition et élévation, il y a des sagesses et des secrets. قال ابن القيم ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال قال فأحب أن يرفع عملي والنصائب ويعرض عمله الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخره كما في حديث أبي موسى الأشعري وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى أن قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس والعرض فيها أخص من العرض في شعبان ثم إذا قضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف وهذا عرض آخر. Et donc dans ces fameuses expositions, il y en a plusieurs. On a dit, il y a l'exposition d'élévation journalière de vos actes, l'exposition hebdomadaire, lundi, jeudi, l'exposition mois de Chaban, annuelle, et l'exposition finale quand vous mourrez. Et là, on plie les sohof, les feuillets, terminé. Plus... Et après, évidemment, comme on l'a dit, il y a ces actes qui restent après la mort, comme le doua, les supplications de l'enfant pieux que vous avez laissé après vous, ce qu'on a cité tout à l'heure, etc. Et puis évidemment, dans ces moments bénis, qu'on avait cité déjà la dernière fois, on avait dit qu'il y avait des moments, il y avait des endroits, il y a parfois le moment et l'endroit, comme aujourd'hui, je vois un moment béni et un endroit béni, la mosquée. Min afdali al-jumu'a, kama qulna, inna min afdali iyamikum al-jumu'a, fiha khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi nafkha, wa fihi sa'qa. فأكسلوا عليا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه قالوا وكيف يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود والنسائي وكذلك في هذه الجمعة ساعة إجابة لا يوافق عبد المسلم صلى الله خيرا إلا أعطى كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا لا أعطى. Donc
Il y a beaucoup de bienfaits du vendredi qu'on avait déjà spécifiés dans un hadith spécifique. C'est pour ça que on recommande, les savants recommandent de multiplier les prières sur le prophète alayhi salam, parce qu'il est exposé, hein, au prophète alayhi salam. Même quand il a rejoint son Seigneur, parce que le hadith nous dit que Allah a interdit à la terre de se nourrir des corps des messagers, des prophètes, et on dit aussi des saints, des martyrs, etc. Bon. Très important, parmi les tajliyat, les manifestations de la miséricorde divine, du pardon divin, de la grâce divine, c'est ce petit moment dans le vendredi, aujourd'hui, où la prière est exaucée. On avait dit que la prière est exaucée ce jour. Il y avait des moments, comme la prosternation, tout l'autre akhirmin, le dernier tiers de la nuit. Et là, là, il y a une divergence. Est-ce que ce petit moment où la supplication est invoquée, où la supplication, pardon, où l'invocation est acceptée, est exaucée, est-ce que c'est là, c'est-à-dire entre le moment où le khatib ou l'imam est sur le minbar jusqu'à la fin de la prière, ou est-ce que c'est plutôt la fin de la journée, c'est-à-dire après l'asr? Divergence connue parce qu'il y a des hadiths. Dans tous les cas, le croyant intelligent, il va s'employer à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pendant tout le moment, les moments bénis, en espérant, en aspirant aussi à cette miséricorde d'Allah, à ce pardon d'Allah, en étant dillalillah azza wa jal, en toute humilité à Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala. De toutes les façons, il accepte toujours le dua, comme on a déjà expliqué. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wati ad-da'i idha da'a. Wa li hadha kan hadha al-qawlan li bunnahum أولهما أنه من جلوس الإمام هذا سعد الإجابة من جلوس الإمام انقضاء الصلاة وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. أسلم premier qawl, première version, c'est depuis que l'imam est assis jusqu'à ce que la prière se termine. C'est le premier. Deuxième, an Abi Hurayra qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayru yawmin tala'at fihi shamsu yawm al-jumu'ah, le hadith. Ila an qala Abu Hurayra fa qultu lahu fa akhbirni biha ay hadhihi as-sa'ah hadhihi. Qala Abdullah ibn Salam hiya akhiru sa'ati min yawm al-jumu'ah. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادف عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال فقلت بلى. قال هو ذاك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن l'autre version, la deuxième version, c'est que effectivement c'est après l'asr jusqu'au coucher du soleil, il y a un petit moment où Inch'Allah marahim, tu peux être exaucé. Mais sachez que il faut toujours garder cette certitude, yaqeen, dans le cœur, que Allah, de toutes les façons, accepte tous les vœux de ses croyants. Et on a dit, il y a trois issues à vos vœux. Soit c'est accepté tout de suite, soit c'est épargné et ça vous épargne un mal, etc. Soit c'est épargné pour l'au-delà, et c'est encore mieux parce que vous le trouverez dans vos comptes. Créditeur, inshallah, de hasanat, de bonnes actions. À la kulli hal, huwa alladhi yuwaffiqak lid-du'a. Wa alam annahu idha waffaqak lid-du'a faqdu. خلاص راه اراد الاستجابة، راه هذاك هي ساعه الاستجابة. ساعه الاستجابة من يوفقك للدعاء. Pour résumer, pour l'intelligence de nos savants nous révèle que à partir du moment que par sa grâce tu as été guidé vers le du'a, vers la supplication, sache que Allah a décidé, par sa grâce, de t'exaucer. Parce que s'il ne voulait pas t'exaucer, il ne t'aurait pas guidé vers le fait de le supplier. Déjà, si tu le supplies, c'est par sa grâce et sa faveur et sa miséricorde et sa bonté. Et quand, effectivement, il veut te gratifier, en plus, par le fait de t'exaucer. « Ida arada an yudhirani amatahu alayk, khalaqa wa la siba ilayk. Qul kullun min indillah. » Hein ? Tiens, Rabbi. Pour terminer avant le
le prêche, inshallah. Il y a des questions et je vous ai dit qu'à partir du vendredi prochain, il y aura des questions-réponses sur le jeûne du mois de Ramadan et vos questions. Donc, il n'y aura plus les tafsirs. طلبوا منكم الدعاء، هذا الانسان يطلب الدعاء، غادي ندعو معاه مع الناس اللي غندعيو معاهم ان شاء الله، مع الجميع ان شاء الله. Est-ce que ceux dont le téléphone sonne pendant la prière prennent des péchés? Est-ce que ceux dont le téléphone sonne pendant la prière prennent des péchés? Évidemment, toute évidence. Pourquoi? Parce que tu es dans une mosquée. Les gens, qu'est-ce qu'ils font dans une mosquée? Hein? Soit ils prient, soit ils sont en train de lire le Coran, soit ils sont en train d'invoquer Allah, soit ils sont en train d'écouter. Écoutez la science utile. Okay. Quand ton téléphone sonne, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu perturbes, tu déranges, tu déconcentres les gens. Tu leur prends de leur prière. Ben, tu prends un péché, mais tu ne prends pas. Il faut être logique. Et dès l'insan, quand il rentre dans la mosquée, il dit son téléphone en mode vibreur. Comme ça, il ne dérange personne. Il ne se charge pas de péché. Au contraire, il vient ici se charger de nourriture spirituelle, de lumière. C'est la mohima. Le rappel profite aux croyants. Donc mettez vos téléphones, s'il vous plaît, en mode vivant pour ne pas déranger vos frères et sœurs. C'est une logique limpide. J'ai fait des péchés, je regrette et je veux quelqu'un de pieux pour m'épouser. Ben écoutez, tiens, il vous me dit comme l'aide al-bala, celui qui se répand de ses péchés comme s'il n'avait pas de péché. Tiens, il vous habibullah, celui qui se répand à Allah, Allah il l'aime, il l'a yuhibbu, tu vois, il l'a yuhibbu. Donc ma soeur, ne sois pas désespérée, au contraire, le repentir amène l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala, et sache que là tu redémarres à zéro. Inch'Allah, parce que Allah est généreux et bon et miséricordieux. Ah d'accord. Inna al-hasanati yudhibna siyaat. Donc les bons péchés effacent les mauvais. Hada li kayn et wa la prière prenne. Oui, hadi kunna. Hada shi wa ta wa safi. Hadi li kayn. Tamma baqi tlbu du'a. Et dernière chose inchallah marahim. قبل أن ندخلوا في خطبة الجمعة الله يجازيكم بخير. الناس اللي مازالين كيحطوا السيارات ديالهم في هنايا، الله يفتح عليكم، نفكروا في الجيران، غادي نتكلموا على الجيران. Il faut penser aux voisins s'il vous plaît. Les voisins, il est capital de les respecter. الجيران راهم هنايا، les riverains se sont plaints. Donc on va pas le répéter à chaque fois. Il faut qu'on les... il y a des choses qu'on doit comprendre tout seul. On vient ici pour les mérites, pour les lumières, pour les bénédictions. On ne vient pas ici pour récolter les mauvais, hein, les mauvaises actions parce qu'on a nuit au voisin. Nuire au voisin, c'est un péché grave ici. Respecter le voisin est une obligation comportementale pour chaque croyant et croyante. Soit al-jar, al-qurba, al-jar, al-junub, al-sahib, al-jin, al-dukullum, al-salihum. Allah il a yumin, Allah il a yumin, Allah il a yumin, shkuna ya Rasulullah, min la yuminu, min la yamanu, جاره بوائقة قالوا واحد المرأة غير تصلي تصوم وتؤذي جيرانها قالوا هي في النار إذن من وأخي دعوانا الحمد لله رب العالمين الأذان إن شاء الله.